Bonjour Baptiste, après un podium au Cire de Compiègne, c'est maintenant un titre de champion de France. Quelles sont vos impressions ? Bonjour, c'est vraiment une belle consécration. Elle a fait une très bonne année, donc elle était déjà deuxième à Compiègne avec 1500 fautes sur 16 à cette époque-là. Elle était bien classée et là, elle a confirmé pendant les 3 jours qu'elle était très bien et elle finit par gagner. Donc c'est vraiment super pour tout le monde, pour la jument, pour moi, pour la propriétaire bien sûr. Comment avez-vous géré la pression durant ce championnat ? C'est une expérience puisque l'année passée j'avais gagné le championnat mais j'étais à remonter les places. Là, c'est différent parce que j'étais en tête avant l'épreuve donc il ne fallait pas craquer du tout. Et bon, ça s'est passé au fur et à mesure. Là, je connais ma jument, elle est bonne et puis j'ai fait confiance et ça s'est bien passé. Avez-vous senti une certaine appréhension de la part de la jument ? La jument était super le premier jour sur le petit parquet, vraiment très relâchée. Il y avait moins de monde, moins de bruit autour. Donc elle a vraiment fait un parcours super. Et après, déjà jeudi, enfin le deuxième parcours, donc si jeudi il me semble, elle était un peu contractée, aujourd'hui encore un peu, parce qu'il y avait plus de monde, un peu plus de l'atmosphère compliquée pour elle, et elle a quand même bien réagi parce que c'est une très bonne sauteuse, donc après, elle y est arrivée sur l'obstacle, elle s'en occupe pas, mais je sais qu'elle était plus tendue que les autres parcours. Que pouvez-vous nous dire sur les qualités de votre jument ? C'est une jument qui a un super caractère, enfin elle a un peu de tempérament, mais c'est les bons chevaux. Et elle est très très respectueuse, elle a des gros moyens, une bonne poussée, un bon passage de dos. Comment la voyez-vous évoluer par la suite à court et à long terme ? Là, elle va peut-être faire un transfert d'embryon, on va voir, on va discuter avec la propriétaire. Peut-être qu'elle va se déplacer à Lyon, on va voir, suivant le transfert, tout ça. Et puis après, elle va se reposer un peu et préparer les 6 ans tranquillement pour l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup.